faire attention à ce qu'on entend. Faire attention et surtout ne jamais prendre de décision par rapport à ce qu'on a entendu. Faire très attention. Parce que sur nous, surtout nous aujourd'hui, on baigne là-dedans. Quand une personne, elle parle, déjà quand tu vois une vidéo qu'elle parle, ça, ce qu'elle dit, ça peut être autre chose que ce qu'elle a dit. On lui fait dire quelque chose que c'est pas ça qu'elle a dit, en fait. Donc maintenant, si tu vois une vidéo de quelqu'un qui te parle, ça peut être pas vrai du tout ce qu'il te dit. Même si tu vois la personne qui est concernée, c'est-à-dire celle que tu connais et tout, qui te parle dans une vidéo, ça peut être faux. Donc, on n'a pas de repère. On a juste, il faut un cercle d'amis, de gens qui soient branchés. C'est pour ça que le Mashiach, il va venir avec un groupe de gens. C'est un groupe de gens qui va déclencher la Géoula. C'est pas la masse qui va déclencher la Géoula. C'est un groupe de gens. Parce que ces gens-là, ils vont se réunir par, justement, comme on l'a dit, un manque de vérité. C'est-à-dire, ils ont tellement voir qu'il y a de la manipulation, qu'il y a un manque de vérité, ils vont plus supporter. Donc, ils vont réduire le rapport avec le monde de la communication, un maximum, que le monde de la communication, de l'intelligence artificielle. Ils vont se réunir entre humains, échanger au niveau humain, c'est tout, avec de la conscience, de la confiance entre eux, de la recherche. Et c'est tout, en ignorant le monde, parce qu'ils ne pourront pas. On va vers cette chose-là.